Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on part sur le jeu House Builder. Ouais, exactement. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et aujourd'hui, comme ma femme vous l'a dit, on va partir sur une série en compagnie de ma femme sur le jeu House Builder qui est sorti. J'ai oublié la date. 11 novembre 2021. Voilà. Il est disponible sur Steam. Il est disponible sur Steam, oui. Et c'est la démo. On peut télécharger la House Builder démo. L'acheter à 12,49€. Voilà, tout simplement. Donc, le but du jeu, comme on a marqué dans notre titre, c'est le tour du monde des maisons. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va créer... Hein, des maisons, carrément, on va... les construire complètement. Voilà, on va faire des maisons dans le bas jusqu'en haut. Voilà, toutes les maisons extérieures, nous surtout dans notre série. Et on va commencer bien évidemment aller voir les options. On va mettre ça en français. Voilà, en French. Sauvegarder. Voilà. Donc, okay. On va jouer. J'ai réinitialisé la partie. On va commencer par un igloo. Level facile, ouais. N'est pas payé. Commencez maintenant. Donc, on va aller partir en Glaglaska pour notre première étape. Donc, notre première maison est un igloo. Voilà, un igloo en Glaglaska. Voilà, igloo. Bon, ça vous dit tronçonneuse. Première tronçonneuse électrique a été conçue en 1926. Son inventeur était Andreas Thiel, le fondateur de l'entreprise. Voilà. Pas bon de tout voir sur le chantier. J'espère que la météo ne vous découragera pas. Soyons honnêtes, c'est un travail difficile. Voilà. Donc, commencez. Donc là, j'ai oublié de mettre le clavier en mode anglais, vu que je ne travaille pas toutes les touches. Là, ça vous dit prendre le bloc ou l'eau. De toute façon, ça indique que maintenir avec clic gauche le bloc ou E pour relever l'objet. On va faire E. Voilà, on l'a dans la main et on place ici. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va aller plus vite après. Ouais, donc là, on prend l'objet. Hop, en appuyant sur E. Voilà. Ça vous dit prendre l'objet, faire le couteau pour avoir des blocs jusqu'à la fin du puits. Voilà. Donc, on fait un clic gauche sans relâcher. C'est épuisement du stock. Voilà, on fait le tour. Voilà, plim. Ah, appuyez sur 1. De toute façon, vos blocs sont écrits en bas à droite de l'écran. Oui. Voilà, nouveau skill déjà, ça commence déjà. En fait, bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivants. Voilà, tout ça fait même. J'espère que ça va vous plaire, ça change un peu. Voilà, bon, petit coup de roulette de souris pour changer le matériau. Voilà. Hop. Là, vous voyez, en bas à droite, on n'a plus rien. Ah, attention. Faut surveiller le feu. Ouais, ce qui est en bas. On est quand même en Glaglaska. Voilà, on a le Glaglaska, comme dirait notre très cher ami Homer. Ouh, le Glaglaska. Et donc, on coupe des blocs, on se dépêche, voilà, vous avez vu. Là, avec le skill, on a pu en avoir deux d'un coup. Voilà. Là. Et ce n'est que le début. Voilà, et c'est vrai qu'on dit, ma femme, ce n'est que le début. Non, plus après, c'est pas. Voilà, enfin, on va aller beaucoup plus vite. Et voilà, oui, une autre source. Là, on a 8 blocs quand même. On va faire le tour. Nouveau skill. Non. Bon, alors, on raconte. Donc, les autres. Bon, il va falloir se débrouiller et trouver soi-même. Voilà. Vous avez un autre là. Donc, là, on reprend le couteau. En continue. Moi, ce que je fais, c'est qu'on. Enfin, ce qu'on fait, c'est que nous, on y va jusqu'au bout. Voilà. On reprend le couteau. Hop. Voilà. Après, il y en aura plusieurs. Ouais, oui, mais c'est en débloquant les skills, vous allez en faire beaucoup plus et beaucoup plus vite. Voilà, pour tout charger sur votre petit dos. Là, tout simplement. Le mec, il est balèze quand même. Ouais, il y a. Donc, le puits, il veut pas se vider. Ouais, encore un nouveau skill, on appuie sur I. On prend constructeur expert. Et maintenant, on va y voir qu'est-ce que ça va donner. On va voir la différence. On en a fait un élevé 2. Ah voilà. Vous voyez. 2, 3, 4, 5. C'est plus la même chose. Là. Voilà. 3, 4, 5. Et il y a encore un autre
d'autres compétences encore, hein, n'oubliez pas. Oui, hein. Mais il y a beaucoup de compétences quand même. Ouais, bah, c'est bien, parce bien. Que les autres maisons, ça va être autre chose, parce que là, c'est oui. Vraiment, la première étape, c'est l'igloo. L'igloo-glou. Voilà, donc les compétences sont adaptées au jeu. Voilà. Et les... Aux maisons, je veux dire. Plus on va avancer dans le jeu, et plus... et plus ça va nous demander... Attention, le feu s'éteint. Bah oui, oui, oui. Ouais. Deux minutes, c'est pas mille pattes. Hein. Allez. Voilà, je mets deux bûches. Voilà. Mm-hmm. Voilà, on prend nos blocs et on fonce à le fonce. Là, le but, c'est de se faire un igloo. Donc, je pense que pour que le igloo se mette à l'abri. I, quoi. Super, voilà. Voilà, mettre. Ah non, c'est pas éclair, c'est mettre. Tu peux acheter rien. Mais non. Alors, on est bon. Oui. Elle est fatiguée. Hein. Non, je suis pas fatiguée. Elle est fatiguée du dernier live qu'on a fait. Dernier live qui s'est très bien passé. Ouais. Ou ma femme a dit qu'elle en avait marre de faire des lives qu'elle voulait arrêter. Non, pas. Non. Mais non. Vous pouvez le retrouver, hein, le dernier live. Voilà. C'était sur le jeu Barnfinders. Ouais. On va continuer la série. Oh là là. Voilà, il y a plus que 5. Je sais pas comment il y en a, mais en tout cas, on a eu pour aller la chercher. Il y en a 15 au total. Ah oui, quand même. Nouveau skill, marcher plus vite. 30% plus vite. Hein. Hein, on continue. Donc on peut en prendre. Voilà. C'est génial, surtout que tantôt comme ça se casse la gueule. Et il va dire qu'on est trop chargé. Non, c'est pas dans celui-là, je crois que c'est dans le prochain. Ah oui. On verra bien. Ouais, on verra bien. Voilà, encore un puits de. Épuisé. Bon. De bébé. Bon. Bon, alors. Ah, donc, là, le but c'est de vraiment de chercher les puits de glace vous-même. Hein. Voilà, parce que alors, ça tout l'a été torché en 2 secondes. Ouais, il voilà, donc. Cool. Donc on a 60 blocs, vous voyez, en bas à droite de l'écran, je viens de les mettre là, 60, ouais. Avec la roulette de la souris. Le premier il est assez facile, vous allez avoir juste des blocs à couper, l'igloo à construire et son entrée bien sûr. Là on va commencer à créer le dôme, dôme dépôt. Et c'est tranquille, c'est un petit jeu sympa. Ouais, par contre, oui, le feu. Et par contre, le chien, tu pourras mettre des bûches quand même, non? Il prévenir, il parle, il aboie, il. Non, il rien du tout. Il fait rien. Non, il fait juste miaou. Il fait juste miaou. Ouais. Bon, c'est la première fois qu'on voit un chien faire miaou, mais bon, voilà. Ouais, parce que le chien, il est pas con, on savait qu'on est en Anglaglasco, il y a des grosses peluches, des gros nounours. Les ours polaires, alors le chien, je dis miaou comme ça, je le tranquille. Et pourtant, ouais. Pourtant il est à côté des bûches, pourtant il pourrait faire boubouf. Bah oui. Faire quelque chose, mais non. Quand il n'y a plus de feu, il fait. Ah. Ouais. Comme ça, quoi. Mais bon. Ancien, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, dans la joie, la bonne humeur. Vous avez passé un bon week-end. Allez. 75 trucs. Alors. 75 blocs de glace. On appuie sur c'était contrôle de gauche pour s'abaisser. Franchement, je vous conseille de faire ça à l'intérieur. Vous voyez, ça va des fois plus vite. Alors, mieux se tromper. Pas forcément. On n'est pas obligé de contourner le glou. Voilà. Non, c'est ton pote. Enfin, pas tout seul, mais. C'est moi qui fais tourner les chiens. Ouais, oh là. Je voulais dire, elle est fatiguée. Non, mais je veux dire, ça. Attends, moi j'étais en train de chercher à sortir. Bon chien, soit tu fais quelque chose, soit je te mets dans le feu. Vous avez le pourcentage de ce que vous avancez dans le jeu, bien évidemment, qui est en haut de l'écran. Milieu. Voilà, milieu, ouais. Milieu en haut. En haut, milieu. Vous m'avez compris. Là, on est à 33%. On s'est compris. Je vous ai compris.
Allez, on continue. Et on continue, on continue. Vous avez vu, les blocs, ça va assez vite. Il n'y en a plus. Ah. De toute façon. C'est épuisé vite, mais là, je trouve. Ouais. Là, faut le chercher un peu, farfouiller un peu partout pour trouver des blocs comme ça. Hein. Oui. Je pense que 30, je pense pas qu'on en aura assez pour finir. Non, parce qu'il y a un très. Le dôme peut-être. Mais... On va voir, on va essayer. Peut-être qu'il y en aura peut-être assez, je sais pas. Ah, peut-être qu'il y en aura assez, finalement. Pour les glous. Les glous glous. Voilà. Parfait. Allez, il nous reste 6 blocs. Voilà, on en aura pas assez. Ah, je peux ouvrir le magasin. Trop bon. Eh ouais. Donc attends, bon. C'est pas grave. On va retrouver un puits. Un puits. Un peu ou un peu? Un gars. Ah ouais. Voilà. Ça fait demander. Ouais, ça faisait de chercher un petit pneu. Hop. Voyez, on est loin des un par un du début, quoi. Voilà. Ouais, vous inquiétez pas, suivez bien notre périple du tour du monde des maisons. Parce que ça, c'est le premier mode, le mode facile, la première maison, la plus facile, bien évidemment. Ils vont pas vous mettre une maison balèze dès le démarrage, où vous allez galérer. Voilà. Ça, au début, c'est simple, c'est facile et tout. Après, vous comprendrez. Vous allez comprendre. Si vous nous suivez bien jusqu'au bout, vous donc, verrez. Dans chaque pays. Une nouvelle maison, une nouvelle construction, des nouveaux matériels, des nouveaux matériaux. Ouais. Et un nouveau système de construction. Et voilà, et la maison, parfait. La construction est prête, on a mis 9 minutes 21 secondes. 546, c'est quoi? Pédétas? Ouais, un genre pédétas. On a fait 768 mètres. Et on a 260 de... On a joué 260 de marteaux. Voilà. On a gagné les 5 étoiles. Donc vous pouvez rester ici pour faire quelques petites décorations de l'igloo, tout ça, où vous voulez. Ça, vous pouvez continuer. Voilà, après, ça vous dit un peu les si, les noms. Là, maintenant, vous voyez, vous avez une petite maison qui vous indique en quoi que la Glaska... Elle finit, vous pouvez visiter ou revendre la maison. On va laisser comme ça. Et la prochaine étape, ça sera... L'Afrique. L'Afrique. Et en Afrique, il y a des moustiques. Une maison debout de niveau moyen. Là, ça va être autre chose. Parce qu'il va falloir construire les fondations avec des pierres. Fabriquer des briques. Ouais, des tuiles. Pour le toit. Voilà. Et beaucoup, 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 beaucoup. Et encore... Beaucoup. Beaucoup de maisons. Beaucoup de choses à faire dans cette maison-là. L'extérieur, voilà. Vous verrez bien dans la prochaine vidéo. En attendant. En espérant que ça vous a plu. Bon, vas-y, je te laisse continuer un petit peu de chercher. En espérant que ça vous a plu. Lâcher un max de pouces, c'est facile. Ça prend pas beaucoup de temps. Venez vous abonner à la chaîne. Lâchez les commentaires. Lâchez les commentaires. N'hésitez pas, on répond à tout. Et activez la petite clochette. Pour avoir une notification, parce qu'on va sortir tout ça. Voilà. Si vous vous abonnez sans activer la cloche, vous n'aurez pas une notification. Donc, vous n'aurez pas les messages pour quoi que j'ai sorti telle vidéo, je suis en live tel jour, tout ça. Vous aurez rien et tout, donc voilà. Activez la petite cloche, voilà. Donc, on se retrouve pour ce jeu-là ben, la semaine prochaine. Ouais, oui. Pour faire la maison debout en Afrique. Oui, c'est pas pareil. Là, ça va être vraiment moyen. Pour ce moyen, je veux dire moyen, c'est moyen. Il va y avoir beaucoup plus de choses à faire. Voilà. Et plus tard, il y aura la possibilité d'avoir de grosses machines à conduire pour démolir des maisons et tout, et tout, et tout. Mais ça sera dans un prochain épisode. Voilà. Donc, en vous souhaitant à tous et à toutes... Une bonne journée. Et... Une bonne semaine. Allez, portez-vous bien. Portez-vous bien. Ciao, ciao.